Dis donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi Jackie ne vient plus ici avec nous le matin? Tu n'as qu'à aller lui demander à elle. Tu n'es peut-être pas assez gentil avec elle. Pourquoi tu dis cela? Tu ne serais pas jaloux? Jaloux? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que je suis quelqu'un de jaloux? Oh, mon Dieu, Philippe, tu vas pas recommencer. Quand je pense qu'il y en a qui veulent revenir 20 ans en arrière, donc on se sent bien comme on est, hein? Allez, je vais y aller. Salut. À tout à l'heure. Dans ma prochaine vie, je serai chirurgien. Et pourquoi donc? Je voudrais avoir une piscine. La nôtre est aussi un peu la vôtre, non? Je crois que Wolfgang échangerait volontiers avec toi dans une vie future. Ah, ça c'est sûr. Moi, je préfère la vie facile. Et claquer des dents de peur que quelque chose aille de travers. Bon. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Cet après-midi, je suis à mon cabinet. Tu viens avec nous? Non, je reste encore un peu. Tu veux que je t'apporte un café? Volontiers, c'est gentil. Tu m'emmènes au lycée? Bien sûr, en voilà une question. C'est pour toi. Pourquoi tu ne travailles plus? Oh. Tu pourrais reprendre les cours. Non, rien ne me fera retourner dans une salle de classe. C'est bien clair? Je veux faire quelque chose de différent. Oui, mais quoi? Tu peux m'aider à chercher? J'y vais. Je peux en avoir un aussi? Je croyais que tu en avais déjà bu un. Hein? Ah oui, mais le tien est bien plus meilleur. Et je sais pas à quoi ça tient. Tu parles comme dans la pub. Oh, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation? Je peux profiter de la vie facile. On va dans la chambre. J'ai pas envie. Allô? Oui, je te le passe. C'est Wolfgang. Wolfgang? Oui. Et avec qui je vais m'entraîner? Ah oui, pour toi, c'est très facile. Entendu. Oui, on se voit demain. On va arriver en retard. Et alors? On arrive en retard presque tous les jours. Mon père m'a encore demandé pourquoi tu ne venais plus. Tiens, c'est nouveau. Tu dis mon père maintenant? Pourquoi pas? Parce que tu dis Philippe d'habitude. D'accord, je continuerai à dire Philippe. Je ne viens pas parce que je suis indisposée en ce moment. Et ça fait 4 semaines que tu es indisposée? Ça fait long. Comment ça? Oui, ça fait 1 mois qu'on n'a pas couché ensemble. Ah! Oh. Tu mets une croix sur le calendrier les jours où on fait ça? Non. Je trouve ce rituel familial complètement idiot. C'est pour cette raison que vous ne me voyez plus le matin. Tiens, c'est pour vous. C'était dans notre courrier.
qu'il y a de drôle? C'est son 4e PV ce mois-ci. S'il continue comme ça, on va lui sucrer son permis et il ira au boulot en vélo. Qu'est-ce que fait ton père aujourd'hui? Ah, toi aussi, tu dis ton père maintenant. Qu'est-ce que fait Philippe aujourd'hui? Il continue ses recherches pour une série d'articles sur une affaire de trafic d'armes. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'ai quand même le droit de regarder à combien s'élève la contravention de mon père. Pourquoi tu fais cette tête, Ulf? Arrête-toi là. Mais ça va pas, on est déjà à la bourre. Je t'ai dit de t'arrêter. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui c'est? Oui, c'est Philippe, ton père. Et ça? C'est ma mère. Ici le répondeur automatique de la ligne directe de Philippe Belloum. Je ne suis malheureusement pas là pour le moment. Mais si vous me laissez un message, je me ferai un plaisir de vous rappeler dès mon retour. Parlez bien après le bip sonore. Je vous remercie de votre appel. Oui, allô Philippe, c'est Petra. Tu n'as pas besoin de décrocher, je veux seulement te prévenir que je dois aller chez ma mère et puis ensuite j'irai peut-être au cinéma. Je ne sais pas encore. Bon, bah, on se voit plus tard. Au revoir. Tu pourrais dire quelque chose. Que je sache ce que tu penses. Parle. Laisse-moi. Thank you.
Ça ne va pas, Jackie. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Je crois qu'en fait, je l'ai toujours su. Ce sont tous des vantards. Ils n'ont pas de morale. Ils vivent dans un monde de merde. Est-ce qu'on doit en faire autant? On est obligé? En aucun cas. Moi, je refuse. Wolfie. Il y a un mois, j'ai couché avec Philippe. J'ai fait l'amour avec ton père. Tu rentres tout de suite chez toi? Non, j'ai encore un rendez-vous. Ensuite, je vais à l'entraînement. En fait, Wolfgang ne vient pas ce soir. Je trouve ça plutôt étrange. Il ne rate jamais ça d'habitude. Peut-être qu'il a du travail à la clinique. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Il s'obstine à vouloir tirer avec plus jeune que lui, c'est ridicule. Ouais, t'as raison. Oui, c'est Philippe. Je voulais vérifier que tu étais bien là. Oui, je t'appelle du club. Oui, j'ai encore perdu contre ton fils chéri. Non, je ne crois pas que ce soit la vie, comme tu dis. Ah, dis-moi, est-ce que je peux passer? Il faut que je te parle, c'est assez important. Quoi? Non, le rendez-vous pour la série, j'ai dû le remettre à plus tard. Pourquoi? T'en as de bonnes. J'ai réuni la plupart des éléments, mais j'ai des petites difficultés avec l'histoire des armes et... Mes informateurs ont la trouille. Bon, écoute, j'arrive, on aura le temps d'en parler. À tout de suite. Thank you.
Philippe. Philippe. Philippe Belloum est mort. Une voiture. Quelqu'un l'a volontairement renversé en voiture. Belloum, Belloum. C'était quelqu'un de connu. Il y a 2 ans, il avait écrit une série d'articles sur les banques qui blanchissent l'argent de la pègre. Je suppose qu'avec ça, il s'était fait des ennemis. Werner, des traces de freinage? Non, aucune. Celui qui a fait ça était venu ici pour le tuer. Ça ne fait aucun doute. Ben, ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein. Il est cassé de partout. Quelle serait la cause du décès? Ben, à première vue, rupture des cervicales. Nous avons des débris d'anoptique de phare. Nous avons trouvé aussi des éclats de peinture. Le véhicule devait être bleu, genre bleu nuit. Le dernier chiffre de la plaque minéralogique serait un 4. C'est tout ce qu'on a. On a un témoin, d'après ce qu'il dit. La voiture a foncé droit dessus. Je veux le rapport dans la matinée. Pas de problème. Salut. Salut. Vous êtes déjà entré? Oui, j'ai demandé à tout le monde d'attendre. Bien. Je m'appelle Kress et je suis commissaire de police. Je voudrais que vous me prêtiez attention. Ce soir, est-ce qu'il se serait passé quelque chose qui sorte de l'ordinaire, enfin, qui puisse avoir un rapport avec la mort de Philippe Belloum? Oui, il y a eu quelque chose. Un coup de téléphone. Dans le vestiaire des hommes. C'était pour Philippe, mais il n'était pas encore là. Était-ce un homme ou une femme? Une femme, mais elle n'a pas voulu laisser son nom. On passe devant, Léo, tu nous suis? Les Belloum habitent de l'autre côté de la ville. Alors on va prendre le périphérique, ce sera beaucoup plus rapide. Terminé, salut. Tu as déjà lu des articles de ce Belloum? Oui, ils sont passionnants. Ils traitent toujours de sujets, se demander où ils les trouvent. À ton avis, c'est qui? Odéon 27, fidèle au poste, chef adoré. Tu veux arrêter tes singeries? Dis-moi plutôt ce qu'on a sur ce véhicule. Oh, pour le moment, on n'a pas grand-chose, Léo. On possède le dernier numéro, un 4, et la couleur, elle serait bleu foncé. Autant chercher une épingle dans une meule de foin. Henri, je signale que nous avons des ordinateurs. Je sais, Léo, mais il y a probablement plusieurs milliers de voitures bleu foncé dont le numéro se termine par un 4. À plus tard, Léo. Terminé. Oui, allô, allô? 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 Dis-moi, pourquoi tu lui as rien dit? J'ai pas eu le courage. Bon, très bien. Alors dis à ton père qu'il lui téléphone. Bonsoir, madame Belloum. Oui. Et nous sommes de la police. Pouvons-nous entrer? Oh. Mais oui, bien sûr. Je vous remercie. Mon nom est Kress. Voici mes collègues, Hyman et Johnson. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, quelle est la raison de votre visite? Madame Belloum, il est arrivé quelque chose à votre mari. Mon mari? Et c'est quoi ce quelque chose? Ne me dites pas qu'il... qu'il est mort? Si. Veuillez accepter nos sincères condoléances. Votre mari a été renversé par une voiture sur le parking de son club d'escrime.
Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ces messieurs sont policiers. Ton père a été tué par une voiture. Une voiture? Comment ça, par une voiture? Renversée devant son club. Il y a 1h30. Qui a fait ça? Nous n'en savons rien. Nous pensons qu'il a été renversé intentionnellement. Comment pouvez-vous dire ça? Nous avons un témoin. Qui pouvait avoir un mobile? Vous pourriez nous aider? Comment cela? Comment pourrions-nous vous aider? Nous ne savons même pas ce qui s'est passé, ni pourquoi. Laissez-nous maintenant, s'il vous plaît. Nous reviendrons demain matin. Non, non, c'est bien compris. Quoi? Oui, on y va tout de suite. Il est derrière nous, terminé. Il paraît que des collègues auraient retrouvé le véhicule. C'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais prévenir Léo. Pour demain matin, on y verra plus clair. Bonne nuit. Bonne nuit. Votre élève est arrivé? Pas encore. Téléphone pour vous. Allô, j'écoute. Pour tuer quelqu'un de sang-froid, faut quand même une bonne raison. Peut-être... Peut-être que cela a un rapport avec son travail. Avec ses recherches. Peut-être que... Petra... Oh, mon Dieu, mais comment veux-tu que je le sache? Je ne sais même pas ce que nous allons devenir. Nous serons toujours là. Ne t'inquiète pas pour ça. Je peux savoir pourquoi tu ne me quittes pas des yeux? Ça te gêne? Dis quelque chose, reste pas comme ça. Elle, c'est une traînée. Wolf! Elle était sa maîtresse. Bonjour, madame. Kress, police criminelle. Est-ce que mademoiselle Jacqueline Möller est ici? Oui, c'est ma fille. Elle est ici. Je vous remercie. Bonsoir. 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 Vous êtes Jacqueline Möller? Oui. Nous sommes arrivés à la conclusion que votre véhicule est susceptible d'être celui qui a servi à tuer Monsieur Belloum. Nous avons un témoin. Non, c'est impossible. Ma voiture est devant. Ta voiture n'est pas devant la maison.
Dans ce cas, c'est qu'elle a été volée. On vous a volé votre voiture? Non, j'ai eu un accident. Vous avez eu un accident? Et vous l'avez signalé à la police? Non. Non. Oui, j'écoute. Oui? Pour vous. Merci. Reste, j'écoute. Allô, Léo? Bon, alors voilà, c'est pas le véhicule que nous recherchons. Le bleu ne correspond pas, et les éclats de phare non plus. Je suis désolé. Il n'y a pas de traces de sang non plus. Bah, j'y peux rien, Léo. Léo, t'es toujours là? Bon, on se voit au bureau. Alors, demain matin, plutôt. Et bonne nuit. Je vous présente toutes mes excuses. Monsieur Belloum n'a pas été renversé par votre véhicule. Désolé pour cette erreur. Mais nous allons vous laisser. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous nous rendrez le corps de monsieur Belloum? On n'a pas besoin d'un tuteur. Wolf, je t'en prie. Je pourrais vous dire cela demain, après l'autopsie. Au revoir. Et maintenant, si vous rentriez chez vous. Tu croyais que ça allait être aussi facile? Non. Seulement, ça aurait pu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mlle Müller. Oui. S'il vous plaît, soyez dans mon bureau demain matin à 9h, au commissariat central, pièce 186. Je suppose que je n'ai pas le choix? Si, une convocation officielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Eh bien, qu'elle me montre l'endroit où elle a eu son accident avec sa voiture. Bien, mais dans quel but? Non, mais vous n'avez pas vu leur tête à tous là-dedans? Ils ont tous quelque chose à cacher, tous sans exception. Il faut bien que je commence quelque part. Jackie, tu n'aurais rien à me dire par hasard? Non. Que te voulait ce policier? Il m'a convoqué au commissariat. Jackie! Laisse-moi tranquille. Pourquoi l'a-t-il convoqué au commissariat demain? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Tu as entendu ce que Wolf a dit de toi? Où est-ce que tu vas? À partir de ce soir, j'occuperai la chambre d'amis. Pourquoi? On pourrait en discuter. Nous n'avons plus rien à nous dire. Depuis le début, tu savais que j'avais cette liaison avec Philippe. Non, j'ignorais. C'est pas vrai, tu mens. Pourquoi? Je sais que tu l'as toujours su. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a rien trouvé contre Philippe Belloum. Pas la moindre petite chose. Tout est clair et net. Dans ce cas, nous allons attendre patiemment que quelqu'un retrouve la voiture, dont le numéro se terminerait par un 4, c'est bien ça? Nous n'avons aucune certitude que ce soit un 4. De mieux en mieux. On a peut-être quelque chose sur le vol d'une voiture bleue. Non, Léo, absolument rien. Eh bien, je veux qu'on me donne la liste informatique de toutes les voitures bleues dont le numéro se termine par 4. On obtiendra peut-être quelque chose. Nous sommes déjà là-dessus, Léo. Bien. Les voitures de location également. Oui, Grèce? Oui,
Oui, c'est exact. J'écoute. Je veux aussi tout savoir sur les familles Belloum et Meuler. Profession, fréquentation, etc. Les finances et tout le reste. Non, non, je suis en train de noter. Vous habitez là? Oui, je vous remercie beaucoup. C'était la directrice d'un meublé. Elle a vu dans le journal la photo de l'homme qui s'est fait renverser. Belloum serait un client assidu du meublé. Il y venait avec une femme. Ah, il arrive toujours un moment où on trouve une issue de secours. Ou un cul-de-sac. Pourquoi un cul-de-sac? Je croyais que Jacqueline Meuler devait venir. Entrez. Ah, mademoiselle Meuler. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Excusez-moi. À plus tard, Léo. Eh, c'est ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous me conduisiez sur les lieux de votre accident. Vous voulez un avocat? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Philippe Belloum, quel genre d'homme était-ce? Ça vous intéresse vraiment? Vraiment. Vous savez, je... J'arrive pas encore à croire qu'il est mort. Il y a 10 ans que les Belloum ont emménagé dans la villa en face de la nôtre. Philippe Belloum était grand, costaud, intelligent, tendre, amical. Il était très cool, très, très libre. C'est ainsi qu'on aimerait se représenter son père. Vous n'êtes pas satisfaite de votre père? Non. Et de votre mère? Je préfère ne pas en parler. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. T'en as mis du temps. Elle t'a fait lui rentrer dedans. Qu'est-ce qu'elle voulait d'autre? On ne peut pas résister à mon charme naturel. Si on parlait sérieusement, qu'est-ce que t'as voulu? Les hommes travaillaient pour Belloum, des informateurs. Et la femme? La description correspond à... Franziska Meuler. À ta place, je serais prudent, Gert. Ceci dit, pour un début, c'est encourageant. Philippe Belloum et Franziska Meuler avaient une liaison. Ça, c'est nouveau. Nous devons tout de suite prévenir Léo. Avant, on va aller rendre visite au docteur Meuler. Pourquoi les gens font-ils toujours la même erreur? Tout le monde fait ce genre d'erreur. Toi aussi. Ça prouve au moins que je suis comme tout le monde. Ça sert à quoi, ce qu'il fait là? Tout simplement à trouver le comment, le quand et le pourquoi d'un crime. Ça ne vous avancera pas à grand-chose. J'ai tout simplement raté un virage. Vous étiez nerveuse? Pourquoi? J'étais quoi? Vous avez très bien entendu. Et vous étiez toute seule? Oui. Je viens souvent seule ici. Derrière, il y a une rivière. Alors vous n'êtes pas allée à l'école? Ça n'est pas interdit. Vous avez un ami? Moi? Oui, vous. Oui. Ulf Belloum. Tiens, quand je suis venu chez les Belloum hier, je n'ai rien remarqué. Ben, rien du tout. Bernard, tu as bientôt fini? Non. Henri?
Qu'est-ce que vous faites ici? Une infirmière nous a dit que nous pouvions vous attendre ici. Et vous en avez sans doute profité pour fourrer votre nez dans mes affaires, n'est-ce pas? Votre femme est psychologue? Pourquoi n'allez-vous pas lui demander? C'est pour me demander cela que vous êtes venu? Ou quoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, non, nous nous intéressons aux relations de Philippe Belloum, ses relations professionnelles et ses relations intimes. Oh, inutile de tourner autour du pot avec moi. Je suis parti de la clinique vers 9 heures. Mais on ne vous a rien demandé. L'infirmière que nous avons vue nous a dit qu'en fin de journée, elle était entrée ici et que vous n'étiez pas dans votre bureau. J'étais sûrement en salle d'opération. Oui, très bien. Ah, savez-vous où nous pourrions trouver votre femme? À son cabinet. Teichstrasse numéro 7, c'est un cabinet médical. Je suppose qu'elle y est encore. Y était-elle en fin de journée hier? Ouais. Bien entendu. Le commissaire Kress pense que vous avez tous quelque chose à cacher et il ne se trompe jamais. Alors? Pourquoi aurais-je tué mon ami Belloum, d'après vous? Oui, pourquoi? Petra? S'il te plaît, Petra, c'est moi, ouvre. Je sais que tu es là. Petra, il faut que je te parle. Il n'y a qu'à toi que je puisse parler. Petra. Ouvre-moi, s'il te plaît. Il n'a pas eu que Francisca. J'en suis persuadée. Tu me caches quelque chose, Ulf. 2 minutes de plus et tu l'as laissé entrer, tu la prenais dans tes bras. Tel que tu es. Les gens profiteront toujours de toi. Je t'ai posé une question. Voilà, vous êtes satisfait? Je voulais voir où vous viviez. Vous en savez plus sur moi maintenant? Oui, sans doute. Vous me rappelez ma fille. Eh, nous ne nous voyons pas souvent. Bon, eh bien, au revoir. Merci de m'avoir ramené. Vous m'avez fait peur. J'en suis sincèrement désolé. Je viens de ramener votre fille. Elle a une grande admiration pour Philippe Belloum. Vous le saviez? Et sa mort l'a beaucoup marqué. C'est une jeune fille remarquable. Il faut que je vous parle, inspecteur. Oui. Depuis un an, j'étais devenue la maîtresse de Philippe Belloum. Qui d'autre est au courant? Tous. Il l'aurait découvert, de toute façon. Oui, c'est qui, tous? Ulf l'a dit à tout le monde hier chez les Belloum. Et avant? Qui était au courant de cette liaison? Je n'en sais rien. Je peux vous demander quelque chose? Surtout, ne dites à personne que je suis au courant. Et pour quelle raison? Vous tenez vraiment à le savoir? Oui. J'ai peur que dans l'une de vos familles se cache un assassin. Là, je trouve qu'il exagère. Il aurait pu nous laisser un mot.
Mais c'est lui, le patron. Bon, résumons. Hier dans la journée, Madame Muller s'est absentée de son cabinet durant une heure. Non, une petite minute. Deux heures. Elle s'est absentée deux heures. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ce qu'on attendait. Elle a désigné Franziska Muller sans hésiter. Je vous en prie. Bon, vous connaissez tout le monde? Ah non, voici mon collègue, monsieur Riedmann, madame Muller. Bonjour. Bon, j'y vais. Salut. Et une seconde. Le véhicule accidenté de Jacqueline Muller doit être amené dans un garage. Oui, lequel? Voici l'adresse. Tiens, tu me fais ça tout de suite. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes allé chez mon mari? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a rien à voir avec tout ça. Vous êtes allé chez le docteur Muller? Oui, c'est exact. Oui. Et pour quelle raison? Nous avons toutes les raisons de penser que Madame Muller avait des relations intimes avec Monsieur Belloum. Ah, ben, je suis au courant. Je vous en prie, asseyez-vous. Voyez-vous un inconvénient à ce que mes collègues restent ici? Non. Très bien, nous allons donc pouvoir commencer. La police est venue la chercher. Et alors? C'est très bien. Il a également couché avec elle. Mon père a fait l'amour avec ma petite amie. Bonjour. 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 Que voulez-vous? Nous sommes venus vous demander de nous suivre au commissariat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on vous demande de nous suivre au commissariat. Je vais chercher ma veste. Bonjour, madame Muller. Je reviens tout de suite. Vous voulez un café? Non, merci. Asseyez-vous. Vous m'arrêtez ou quoi? J'ai pas que ça à faire. Une seconde. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes là? Oui, ça me ferait plaisir. Hier, vous n'êtes pas allé à l'école. Vous me faites marcher, là, ou quoi? Vous m'avez fait venir ici pour ça? C'est un crime, maintenant. C'est pas interdit, à ce que je sache. C'est curieux, on m'a dit la même chose tout à l'heure. Vous êtes allé dans une aire de repos dans la forêt? C'est vrai, ça? Oui. Ça non plus, c'est pas défendu. Non, mais votre amie Jacqueline Muller nous a dit que elle s'y était rendue seule. Et nous voudrions vous demander si vous savez pourquoi elle nous a dit cela. Oui, Kress. Quoi? Excellent. Nous arrivons tout de suite.
Si vous me dites que c'est tout, j'irai me plaindre à vos supérieurs. Oui, ce sera tout. Terry Edman, une patrouille a trouvé une carcasse brûlée dans une carrière. Il veut qu'on le rejoigne. Elle serait de couleur bleu foncé. Ah. On a donné le listing de l'ordinateur. Ah, laisse tomber, j'ai passé 3 heures dessus, ça n'a rien donné. Et tu trouves ça drôle? Ah oui, oui, je suis mort de rire. La police a emmené Ulf. Il faut que je te parle, je peux entrer? Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux te poser la même question. Pourquoi est-ce que tu n'es pas à la clinique? C'est moi qui t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, arrête, calme-toi. Je suis venue parler avec Petra. J'ai voulu lui expliquer la situation. Ce n'est pas ce qui va faire revenir Philippe. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Petra, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, je t'en prie. Jackie? Ulf est là? J'ai quelque chose à lui dire. Toi, je ne veux plus te voir ici. Léo? Est-ce qu'il y a? Ça ne t'est jamais venu à l'idée que ça pouvait être des gens à qui il a eu affaire dans le cadre de sa profession? Des vendeurs de drogue, des trafiquants d'armes? Non. Et vous? Bien, jusqu'à maintenant, tu ne nous as pas laissé suivre d'autres pistes que celle-ci. Ça vaudra le coup d'essayer. Bon, il y a en tout cas une chose de sûre, le dernier chiffre n'est pas un 4. Ce qui veut dire qu'on a suivi une piste qui n'est peut-être pas la bonne. Et si je me suis trompé, demain, on attaque toutes les autres pistes possibles, d'accord? Et tu ne penses pas que Franziska Müller risque de cracher le morceau, si ta théorie de l'assassin parmi leur famille est la bonne? Mais je souhaite qu'elle le dise aux autres. Je tiens ce qu'elle dise à nous à tuer Philippe. Ça ne peut que nous servir. Si tu en es sûr, Léo. Ça y est, j'ai son immatriculation. Je l'ai écrit là-dessus. On peut voir? Je pense que c'est une location. Comment le sais-tu? Les restes carbonisés de ce porte-clés sont une indication, non? Que font-ils ici? Je veux qu'ils quittent cette maison. Ulf! Arrête. Dehors! Sortez tout de suite! Tu n'as qu'à appeler la police. La police n'est pas la meilleure idée que tu aies eue, Jackie. Qu'est-ce que tout ça signifie, Ulf? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te mêle pas de ça, je peux me défendre toute seule. On ne pose jamais de questions à moi. C'est elle la responsable de sa mort, c'est elle. Il n'a pas seulement couché avec ta femme, mais avec elle. Tu vas la fermer, oui?
Mais pourquoi personne ne va ouvrir? C'est encore nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous dérange? Quelqu'un aurait-il quelque chose à dire? Non? Madame Belloum, vous avez loué une voiture en utilisant le permis de conduire de Hertha Burgstadt, votre défunte sœur, ce qui est déjà illégal. Où est la voiture? Je ne sais pas. Et pourquoi avez-vous fait cette location sous un faux nom? Je n'en sais rien. J'avais honte de suivre mon mari, de l'espionner. Seulement commettre un meurtre, je n'y ai même pas songé. Et continuez. Je me suis garée assez loin de la maison. Et quand j'ai voulu ramener la voiture, je me suis aperçue qu'elle n'était plus là. Elle n'était plus là, c'est bien ce que vous venez de dire. Oui. Je sais que personne ne va me croire. Nous avons retrouvé la voiture. Elle est brûlée, de fond en comble. Alors? Bien, Madame Belloum, je vais vous demander de préparer quelques affaires. Oui. C'est moi. C'est moi qui l'ai prise. C'est vrai, je l'ai vu monter dedans. Je suis allé sur le parking du club d'escrime. Et quand il est sorti, je l'ai renversé avec la voiture. Le saviez-vous, Madame Belloum? Non. Elle ne sait rien du tout. Ulf, voyons. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je voulais sa mort. Il fallait qu'il meure. Il a trompé ma mère et... moi aussi. Il n'a pensé qu'à lui. Comme toujours. Ce n'était pas une raison pour le tuer. Je ne voulais pas devenir comme eux. C'est eux qui ont tué mon père. C'est eux. C'est vous qui avez tué votre père. Et personne d'autre.